Alors, c'est ça, vous allez voir la pièce du collectif R. C'est un groupe de théâtre, ça fait 2 ans qu'on fait du théâtre et on a notre troisième pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qu'on a aussi travaillé avec l'association Métis Arte. Et puis, c'est une pièce de théâtre qui a été construite à partir d'exercices de théâtre, de rencontres, mais surtout de témoignages des acteurs et des actrices. Il y a des migrants de plusieurs pays, de plusieurs expériences. Donc ce soir, on a le plaisir de partager cette expérience avec vous. Je ne vais pas dire plus parce que vous allez découvrir le contenu de ce spectacle qui s'appelle Si c'est si, ce c'est. Et vous allez comprendre pourquoi on a appelé ce spectacle Si c'est si, ce c'est. Bonne vision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Si ceci se sait, la seule émission qui ose parler des sujets tabous que les autres médias ignorent. Ce soir, vous allez entendre quelques témoignages et des reportages et je suis allée sur le terrain en gardant une attitude objective afin de vous retranscrire la réalité des faits. Bonne vision, gardez les yeux ouverts et les oreilles attentives. Merci. Aïe, né, 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 tout dit, koumaï nakhal, né, 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 tout dit, aïe, né, 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 tout dit, koumaï nakhal, né, 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 Femme noire, maman Africa, femme de souffrance. Je pense à toi, femme de champ, femme de la rivière, femme du grand fleuve, oh toi mon mère, femme noire, oh toi mon mère, femme noire, femme noire, maman. Femme de souffrance, je pense à toi, femme de champ, femme de la rivière, femme du grand fleuve, oh toi, ma mère, femme noire, oh toi, ma mère, femme noire, femme de souffrance. Ça me rappelle ma mère au village. On n'a pas d'électricité ni de gaz. Chaque fois, s'il voulait te préparer aux enfants, elle est obligée d'aller en brousse pour chercher du bois mort. Ça me rappelle à ma mère. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Femme qui habite à Cuba. Elle habite dans une maison de deux étages avec terrasse et jardin qu'elle partage avec ses deux enfants. L'aîné est grand, il a terminé son armée. Quant au petit, il va encore à l'école. Il n'y a pas beaucoup de femmes divorcées en Suisse qui peuvent se vanter d'avoir une maison aussi belle. Et deux de ses sœurs habitent deux maisons du quartier qu'elles partagent avec leur famille. Et la dernière de ses sœurs est célibataire. Elle habite dans une autre maison de la ville où elle tient en bar pour les touristes. Je t'aime, da. Fais-moi confiance. Merci. Ciao. C'est dire pour elle, pour moi aussi. Chaque jour, elle pense sur moi. Il n'arrive pas à poser. Parce que mon maman n'a pas beaucoup d'enfants, c'est juste une seule moi. Maintenant, ma maman, il pleure. Parce que quand il est sympa, moi, ici bien, il ne reste pas bien. Comment je fais? Je dis, fais-moi confiance parce que je un gâteau, je ne sais pas, je une fille. Je l'arrive, je débrouille la vie. Je partage le perdon. Je donne le perdon, il donne moi. Je ne porte pas perdon, il ne porte pas moi. J'aimerais ça. Maman, fais-moi confiance, je t'aime à toi beaucoup. Merci.
Vous avez vu ces situations absurdes? Comment réagir dans ces situations? La migration est un sujet délicat. Nous sommes ici témoins et victimes là-bas, victimes ici. Quelles sont les causes et quelles peuvent être les conséquences si une victime humiliée décide un jour ou à qui on donnerait le pouvoir? Imaginons, qu'est-ce qui pourrait se produire? Messieurs, ce que vous venez de voir n'est qu'un exemple d'une des scènes qui se passent chaque semaine en Suisse, terre d'accueil. Mais ce soir, nous allons pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire. Alors nous allons demander à ces policiers pourquoi ils ont arrêté cet homme. Monsieur, bonjour, monsieur le policier. Bonjour, madame la journaliste. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer pourquoi vous arrêtez cet homme et son bébé? Je vous raconte mon histoire. Alors. Moi, je suis arrivé ici, dans ce beau pays, il y a 30 ans, tu vois, pour rendre service au pays, faire du boulot, travailler dur. Hein. Mais aujourd'hui, ces gens-là, comme lui, ils traînent dans la rue, ils tirent la drogue, ils font du bordel.
Madame, c'est pour ça qu'il faut les expulser. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut les expulser. Il dit de la drogue avec un pied bébé, sans doute. Oui, ça me semble tout à fait crédible. Tout à fait. Bon, je vais peut-être prendre la température vers ce monsieur-là qui a l'air très fâché. Bonjour, monsieur le policier. Pouvez-vous me donner quelques vos informations sur cette situation? Bonjour, madame la journaliste. Bonjour. Les personnes comme ça, il faut les contrôler. Il faut les mettre en abri. Et pourquoi faut-il les contrôler? Pardon. Pourquoi faut-il les contrôler? Ils ont beaucoup des ambitions. Il faut les étouffer. Il vient ici, il prend nos travail, nos boulots, nos femmes, nos fils, et puis il fait beaucoup des enfants. Donc, il faut les contrôler. Oui, merci beaucoup pour votre témoignage. Oui, donc, ils font beaucoup d'enfants, il faut les contrôler. D'accord. Je vais peut-être me tourner vers un prototype qui a l'air d'être un prototype suisse. Bonjour, êtes-vous effectivement un prototype suisse? Bonjour, madame. Affirmatif. Ah, très bien. Eh bien, je vous pose la même question qu'à vos collègues. Pourquoi arrêtez-vous cet homme? Nous suivons les ordres. L'autre jour, nous étions 15 pour arrêter un père de famille et le séparer de sa femme et de ses enfants. 15 pour séparer un père de famille et de ses enfants. Et ceci, mesdames et messieurs, n'est qu'une situation parmi d'autres qui arrive encore et toujours ici en Suisse, terre d'accueil. Je vais me tourner vers ce père. C'est ce film-là. Oui, c'est bon, votre temps de parole. Est-ce que vous avez l'autorisation? Bien sûr, nous avons l'autorisation. Et vous, avez-vous l'autorisation d'arrêter cet homme? Bien sûr, son nom, Abou Bakar, il est né en 1er janvier. Ah oui, ça c'est une bonne raison. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous sentez-vous dans cette situation? J'espère que vous arrivez encore à parler. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Donc, je suis très triste. Dans le fait de venir en Suisse, j'ai des problèmes dans mon pays. Du coup, j'ai dit, attends, je vais me cacher en Suisse. Mais là, je suis venu, mais c'est pire. Je ne sais pas quoi faire. Merci. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Je vais vous laisser tranquille. Oui, donc un père de famille qui vient en Suisse, qui a été séparé de sa femme, dont les enfants sont loin et qui se retrouvent dans une situation pire qu'ailleurs, alors que ce qu'ils demandent, c'est de l'accueil, du soutien. Merci. Nous allons passer au reportage suivant. Je vais laisser... Bravo. Alors qu'il traverse un chemin parsemé de bombes. La migration, d'ailleurs, concerne aussi des femmes ou des personnes qui sont venues chercher une vie meilleure. Nous allons accueillir sur notre plateau Manuela et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Manu! Bienvenue Manuela, merci beaucoup d'être venue. Merci madame. Vous avez fait un bon chemin. Merci madame journaliste. Bonjour à tous. Alors Manuela, je vais poser quelques questions et ensuite, public, je vous laisserai l'opportunité de lui poser quelques questions. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, à les préparer. Je reviendrai vers vous plus tard. Manuela, vous êtes en Suisse depuis combien de temps? Alors, moi je suis en Suisse depuis 1990. 1990, alors ça fait bientôt 20 ans que vous êtes en Suisse. Et quelle est votre situation? Oh, ma situation est irrégulière, je suis sans papier en Suisse. Voilà, alors Manuela est irrégulière, elle est sans papier. Et nous nous demandons tous comment quelqu'un fait pour vivre en Suisse sans papier. Est-ce que vous pouvez travailler? Regardez, madame journaliste. Ah oui, tout ça sont des annonces que je regarde, au journal. Oui, vous cherchez du travail. Oui, bien sûr. Oui, ah oui, c'est beaucoup d'annonces.
Et il n'y a pas beaucoup de réponses ou vous avez quelquefois des entretiens? Dans ma situation, c'est difficile à trouver. Vous voyez, je mets des annonces comme ça. Dame, si elle est responsable, con permiso, pour trabajo. Mais dites-moi, pourquoi vous venez de me dire que vous étiez sans papier? Vous avez un permis de résidence? Non. Mais dans votre annonce, vous mettez que vous avez un permis ici. Ah, c'est difficile à trouver. Alors, moi, je mets des permis parce que si je parle directement avec la patronne, peut-être je vais toucher sa cour, il m'a donné du travail. Si je parle par téléphone, il va dire non, sans permis, désolé. D'accord. Alors, ce que nous entendons, c'est qu'avec des rencontres humaines, déjà, il y a des portes qui s'ouvrent. Oui, bien sûr. Par exemple, avec des entreprises qui profitent, j'étais dans deux entreprises qui ont profité de moi. Je travaillais pendant 6 mois, une année, ils ne m'ont pas payé. Alors moi, je fais une dénonciation dans cette entreprise pour demander mon salaire. Donc vous avez porté plainte contre votre patron. Vous avez fait ça toute seule? Non, grâce au collectif sans papier qui me protège. C'est pour ça que je fais tout ça. Donc la solidarité n'est pas tellement le gouvernement. Exactement. Alors sans permis et sans la protection du collectif sans papier, je ne peux faire rien. Bon, je vais laisser le public poser quelques questions. Si vous avez quelques questions, vous pouvez lever la main. Je viens pour vous. Pas de questions? Au fond de la salle, peut-être une question? Ouais, pourquoi elle est cachée? Pourquoi êtes-vous cachée, Manuela? Si la police me voit, il va m'en. Donc c'est la peur? Oui, j'avais peur toujours. Toujours je marche comme ça. Toujours. Ok, merci beaucoup, Manuela. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui. Pour le logement, elle fait comment si elle n'a pas de papier? Comment faites-vous pour vous loger sans papier? Deux ou trois fois que je passais à la gare, je dormais à la gare et je marche. Si je vois la police, je marche comme que j'attends le train qui va à Genève. D'accord. En gros, elle dort dans la rue, quoi. Vous dormez dans la rue, là? Pas tellement dans la rue, je marche dans la rue. Si je trouve du travail, il y a l'argent pour payer une chambre. Okay. Donc ça dépend, ça, mais c'est toujours dans l'insécurité. Oui, encore une question. Comment vous faites si vous tombez malade à votre travail? Question d'assurance, comment vous faites si vous avez un problème de maladie au travail? Alors, je fais tout le possible pour trouver quelques boulots pour payer ma assurance. Heureusement que j'ai une assurance. Donc, en fait, les personnes qui sont illégales en Suisse et sans papier ont des assurances, peuvent travailler, elles sont parfois même déclarées, mais pourtant, elles ne sont pas acceptées par le gouvernement. Voilà, nous pouvons nous poser quelques questions et je commence à remettre en cause mon objectivité de journaliste. Je ne sais pas, il faudrait peut-être s'impliquer. Merci beaucoup, Manuela, pour votre témoignage. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, regardez. J'ai besoin d'acheter une montre suisse. Regardez, plastique. Oui, plastique, oui. C'est une montre suisse ou une montre chinoise? Chinoise. Ah, l'argent, ça ne suffit pas, mais là, d'accord. Vous aimeriez chaque année, moi, je dis, cette année, je vais acheter ma montre. Je vais acheter une bonne montre, non, je n'arrive pas à l'argent. Et voilà. Pourtant, une montre, ce serait bien pour être à l'heure au travail. Très oui. Ponctuel, hein? Ok, alors sommes arrivés au terme de notre interview et nous allons passer à la suite. Merci beaucoup, Manuela. Je vais vous escorter. Jusqu'à la sortie, on ne sait jamais qui peut vous attendre. Vous pouvez voir, s'il vous plaît, si la police... Tout à fait. Je vais vous escorter. Oui, c'est bon, la police, elle arrive là, elle est à côté, là. Venez avec moi. C'est bon, ils sont là. Il n'y a pas d'inquiétude. Oui, ils sont là.
passe au refuge Montgré, un refuge qui a été créé par le collectif R. Je vous laisse un moment avec eux et je vous retrouverai plus tard. C'est qui là? Venez. Bonjour, comment ça va? Oh, mais ils ont pas beaucoup d'énergie aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas dormi cette nuit? Oh là là, vous faites encore en train de faire des jeux, mais vous pouvez pas un peu discuter ensemble? C'est pas possible quand même. Et toi, tu fais quoi? Vous êtes toujours fatigué. Allez, on va faire un jeu. Vous mettez les chaises de côté et on va jouer à Habitons Refuge. Ouais, Habitons. Vous vous souvenez comment on joue? Oui. Bien. Voilà, là, on fait le refuge. Refuge. On fait un habitant. Un habitant. Refuge. Ah, refuge. Habitant. Arrestation! Menottes aux pieds! Assignation résident. Vous n'avez encore rien vu. Affirmatif, la parquet est pleine. Expulsion. كاو كان زعما تخافين لي اتين سودان كاب سودان كا سبعي ورمس كاو لهم ساي تجاوي سودان يوان ابي كم دلي كلمني تاسيلو كاو مسمرني انت ودي سي مسويس كمتز من بيات ودي سي مالتي كاو انت سامو دي ود عمد سلس ود سلس عمد قدي فيو مسكلت حوالي يا سودان اودات كلهم سام قدي فيو مزيان
حويك وديك صافي جي سأني حمون زيرو تسلا قلي فيه متعي ودي أنا إيطالة أتيكا إيطالة خأم هادي ما أشغانا إيطالة مخي قبرم سويز متعي سويز مش مساقو بتعم ما مقفعتن ما سقعين صافي جي حلفال سويز هاي تقبلتن أشغانا إيطالة زي بلي نزيقنا كلاهن أبقدما إنتربتا نزيقا مالتي أبقالا إنتربي كون كنا سويز نزيقا مجملا إنتربتا نزيقا كساب حجي خأم عمزن عم شو رح نغير ولا لي بلا لو ابشتي شو اللي زود دا كل دي بلي بلي ني كيتو داس دي جينا ما لي شو ما ساعتي لو مش خوم دي حنت ولا خوم عندي بون ايفون تو ناي كنت سوم ناي حنت ما عت ناي كنت ما عت لو يسا وين عدو بوليس اسلا ما بعت ساعتها بجزاي متس ودي مسايا لو حم ابسل ان دا شنو يغير امون قلت مرتي يا قارص كم ذا عين صايه هالفالو كما تنهلو عبد داتلين حاضرنا دكسنا حقدان زيبنا بقولن وزحل سبع قوينا كسابع جخان هالونا وتركي زينا خاقل المولادنا كسابع جوارقتنا اي تمرسن شقلي اي محان قفلت اي كئلني كسابع جيكم دعين سقاي حلف على قمالتي عشرة زيب لينا ايتالي سويدنا زيقاهنا سب ورقتكم لسكل ورقت اي كي تمرس كسابع جيب دعيك سبع قفلت اي كئلني حجخان هالو كما تخيم بنو لو حجخات حالي لكم داسل تحابي أي زي الفضل لكم أبقى زي حنت مع تدك سأيها الإلو عم تنحب شو رح نجيل دا تحب أخوي غيدا شو قلي دايما هم فلت أيك أنا كنت أي تسأل أي فلني كم زي ما سب رابو لكن أستاذ لازم نعتزي زوينا لازم نعتزي فهم مطابقة لازم كرنا كذا جدا لازم نعتزي زوينا زلنا من جوته لهون كذا جرا وتحتو يعني لا تروح زات لكن أروح الناس ما هم ما هم ما أنا جمل قد أجمعنا نفعلهم ولا تمنى قد أجمعنا لا تلاقي لكن كذا أقول كذا وانا لكن أقول لك نسيبه إذا نعتزي زين بكرنا كذا جدا كم نعتزي لا أعلم سيزوين من بيبي بعرف له تانو، كذا مريت له بيبي جبانو، مريت نمريت بيبي تبدو كويونا كذا تجمعي بوليس وشما تولاتو، كذا كلا بزوجه نتاشا كمون كل كريم، الكريم منعمل نتاشا كمون اللي تجمعي له ألكسانا، بوليس وتزازيني ساتاتو، بعدين مريت نفرت طبعا بعدين زمان دربون، كنا كاسو تزازي ساتاتو، يبو تبدو مريت نمريت بزوجه نتاشا كمون. በጣም በቃ ምንም የመፍራት ነገር ምናምን የላቸውም እንደው በቃ በክብደቴ ምናምን እየተሳሳቁ ምንም ሳይመስላቸው ወሰዱን ወደ ሚፈልጉት ቦታ ላይ ያስገባል እንትናቸው ይሄ የሚታሰረው ደብቀው ነው ያዙት አንድ ጊዜ ምናምን አሉኝና ወገቤ መጨቀቀ ያሰብ ከዛ ወዲያውኑ አውጡ መካከል ሆን ጊዜ መንዜ ያደረጉት እግሬ ናሰሩ ከዛ በቃ ከአንዱ በቃ ተጣልቅ ጫይ ነው ሆንዳች ከሰከሰ ከዛ በኋላ በቃ ረዥም ሰዓት ተቀመጥኩኝ። ኦኬ ሰዓቱ ደግሞ ማጅስትሬሽን የነበረኝ ሰዓት ነው። አጋጣሚ እንደ ማታ ከሱፐር ማርኬት ሞዴስ ገዝቼ ሶስት ይሻለ እና ሽንት ቤት መሄድ እፈልጋለሁ ስላቸው ለምንድን ነው የምትሄዱ ሲሉ ለሴቶች ፖሊሶች ነገርኳቸው። ሞዴስ መቀየር እፈልጋለሁ አ ከሽንት ቤት ውጭ እንዳለ ወንዶቹ ከበው ቆሙ። ሴቶቹ ለሴቶቹ እንደገና ከኔ ጋር ተከትለው ሽንት ቤት ውስጥ ገቡ። ልክ ሽንት ቤት ስንገባ ኦኬ ተቀየረ። መጀመሪያ ቼክ አደረጉ እና ከልብ ሆኖ ሞዴሱ ምናምን ልብስ ያከፍተዋሉት ኦኬ እውነቷን ነው አወጡልኝ ምናምን እና ፈታተው አዘጋጁት ማለት ነው ሞዴሱ። ከዛ ክፈቱልኝ እና ተቀየረ አልኳቸው። ነው እኛ ነን የምንቀይረው አሉ። ከዛ ነው ነው በቃ እናንተ የምትቀይሩ ከሆነ እናንተ እንደዚህ ምስኪን መጣችሁ ሞዴሱ እስከመቀየር እንድታለች አንደኛ በሩ እንኳን አልዘጉልኝ እንዳለ ፖሊሶቹ ውጭ ወንዶቹ ቆሞ እያሉ ነው። በሁለት በር ያለው ሁሉም በር እንዲከፈት ተደርጎ ነው። ውስጥ ደግሞ ሁለቱ እስከ ውስጥ ተከትለው የገቡ ሰሽንፌት እኛ ደግሞ
ከኔ በላይ ባህሌ በራሴ ካልቸር በጣም ነው አልፈልግም ትቸዋል ባልኳቸው እዛ ከነጋገሩ እንደገና ትልቅ ነገር ሼፍም ተጠርቶ ምናምን ተነገረው አንድ እጇ እንዲፈታ ተባለ ከዛ እንድትን ከፈቱልኝ በጣም በግድ ማለት ነው አንድ እጄ ቀየርኩት እንደዚህ ሱሌ ማድረጉ ምናምን ሁሉ ነገር በአንድ እጄ ነበረ ስንወጣ እንደገና ሌላ ፖሊስ መጣና ከመጀመሪያው በጣም በሚያም ሁኔታ ደግሞ መጀመሪያ ያለም ነበረ ያልጠበቁ ግን ከዚያ በኋላ በጣም በቃ ተበሳጭቶ መመሰለኝ በጣም አልወጣ በቀኝ እጄ d'album. Il est où ton collier? Il est où ton tamis? Aboubacar? Il est où sur... Il est où ton chaussure africain? இங்கு வீட்டிருக்கும் பெரியோர்களே தாய்மார்களே குழந்தைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் இன்று நான் உங்கள் முன்னிலையில் பேச எடுத்துக் கொண்ட விடயம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் dans un concours de disco des bons 500 élèves. Chaque année, je fais ça, je participe le concours de disco de mon école. Ma mère écrit pour moi. Elle m'a aidé, elle m'a encouragé. Comment il faut parler des bons publics comme vous. Quand j'ai quitté mon pays d'origine, ma mère c'est une femme. Elle n'avait pas donné le repas. Elle n'avait pas donné le protection, les habits, même l'argent. Mais elle m'a donné le courage grâce à son amour. Le courage à parler devant le public. Le courage à oser poser les questions devant la justice. Peu importe la langue, peu importe la situation, même si vous m'arrêtez, si vous mettez la monnaie au pied, je parle, je témoigne, je partage. C'est l'important, c'est le courage, l'espoir et l'amour. Le dernier speech, le dernier discours que je fais s'appelle « Yadum Mure Yavarum Kalir ». C'est-à-dire, on est tous citoyens du monde. Donc, on doit s'écouter. Yamma, 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 y
Yamma, yamma, yamma. Allo, Amadou, ah, casse-toi, la tradition, l'émission là est terminée. Oh, c'est l'heure d'aller à la maison, tu sais. La maison là, j'ai la soupe qui m'attend. Alors, bouge-toi, merde. Ah, c'est pas possible. Waouh, toujours ici, arrangé, toujours ici. Quoi, les gens, ils font les acteurs, ils s'amusent. Oh, adaye. Lève-toi, Boubacar, alors tu te me connais, tu sais que après une journée de travail, je suis fatigué, oh, s'il te plaît. Dai, bouge un pochino. Oh, Florine, toi aussi, tu sais la situation où je me trouve, ma femme, là, dai, aide-moi, su, allons-y. Dega, Madou, mannaggia miseria, Madou. Su, Manuela, là, Manuela, allons-y. Comme ça, je termine le travail, après, alors, je vais me coucher. Vous savez, là, c'est des années que je vis dans ce pays. Moi, j'ai vécu les années de Franz Peck, Franz Steiner, là, les mecs qui nous a, les Italiens, nous, qui arrivaient dehors, c'est interdit de rentrer dans les bars. Moi, j'étais là dehors à attendre pour pouvoir rentrer. Les belles filles, dedans, me regardaient, moi, dehors, dedans. C'est vraiment une époque terrible, la discrimination. Moi, je l'ai vécu sur moi, la discrimination. Aujourd'hui, cette personne est noire. Vous savez, ils veulent toujours être au milieu de l'attention, comme si c'était les seuls qui ont vécu ça. Mais moi, je ne suis pas raciste. Mais quand même, je suis d'accord. Oh, moi, je vais, madame. C'est cette émission, déjà, qu'on a dû... Je vais, madame. Annuler la moitié. Florine. Ça va? Quelle journée? T'as l'air stressé, toi. Ah bah, y a tout le monde qui s'est fait expulser au refuge, là, et puis... Oui. Je sais plus comment gérer, là. Je vais démissionner, je crois. Le journalisme, je vais arrêter. Et j'aimerais m'engager. Toi qui es militante, j'aimerais que tu m'expliques. J'ai besoin de m'engager et de faire un peu plus pour ces situations. Donc, tu voudrais faire plus à titre personnel. Oui, mais par contre, j'ai besoin que tu m'expliques une chose, c'est les demandes en mariage. Comment on fait pour les gérer? Faut être clair, il faut dire qu'on n'est pas d'accord, quoi. De mettre une distance, mais c'est pas... Des fois, c'est énervant. Des fois, on en a eu un. Mais des fois, on a envie d'y croire aussi. Santa Maria, Mère de Jésus. Ah non, parce que... Santa Maria, Mère de Jésus. Oh, femme blanche, changement. Nous, là. Oh, femme blanche, femme de la résistance. Bon, allez, mignon, Tommy, comme les Caroline. La raison que moi je suis sur la terre. Ouais. Cause des femmes. Vous les femmes. Vous êtes maravillosas. Vous êtes magnifique. Vous savez, vous êtes magique. Juste pour une graine. Une graine? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais c'est quoi ça? Vous êtes magique. Mais casse-toi. Mais viens, on se casse. Vous savez. Dégage. Allez, haine, c'est pour le printemps que juste pour une graine, vous faites la vie. Casse-toi. Mais vous faites la vie. C'est mal attendu. Elle me laisse même pas l'espace pour... Je sais pas. Les femmes sont comme ça. Elles sont magiques, mais elles ne veulent pas écouter. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, les femmes magiques. Je sais pas, vous avez une idée pour moi? C'est pas...
faire une photo de famille. Allez, venez. Tous. Ah, elle est habillée comme ma sœur. Photo. Allez, photo. 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 Yeah.